Bonjour, je suis Laurence Alemano, experte en chocolat, et je vais vous montrer comment faire un chocolat frappé au marron. Pour cela, nous avons besoin d'un blender, de 250 ml de lait ou de lait végétal, de 4 cuillères à café de crème de marron, un peu de cannelle et 2 cuillères à café de cacao en poudre. Alors nous allons placer tous les ingrédients dans le blender, à savoir le lait de riz, deux à trois grosses cuillères à café de crème de marron, deux cuillères à café également bien dosées de cacao, et un tout petit peu de cannelle. La quantité est à ajuster selon votre goût. Et puis ensuite, c'est tout simple, il suffit de mixer. Et nous versons dans un joli verre et vous voyez la consistance très veloutée de ce chocolat frappé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter quelques glaçons et puis déguster. Voilà, vous savez maintenant comment faire un délicieux chocolat frappé au marron. Et si vous voulez y intégrer des glaçons et de jolis glaçons, retrouvez-moi dans une autre vidéo où je vous apprendrai à faire des glaçons décoratifs.